Je vous amène directement au quartier Grand Moulin, au siège du parti le MRC. C'est un parti de l'opposition au Cameroun où Maurice Kamto vient de terminer sa rencontre avec des militants au siège de son parti, donc à Douala. Ils sont venus par milliers ce matin pour écouter leur leader et lui souhaiter la bienvenue après sa tournée européenne. Le président du MRC a profité de ce moment pour rendre hommage aux victimes de Garbou et grâce à la réalisation, on va vous permettre de vivre avec nous les images de Deido. Il faut dire exactement que Maurice Kamto a une fois de plus égrené quelques propositions pour une sortie de crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. La question du code électoral était également au menu de cette rencontre avec ses militants et sympathisants. Vous pouvez apercevoir en images les militants venus donc par milliers pour écouter Maurice Kamto et on va tenter d'aller retrouver sur place nos envoyés. Michael Tipkio et Emmanuel Bivirka. Bonjour Lille et bienvenue ici au quartier d'Edo à Douala, au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Noir de monde depuis ce matin, comme vous pouvez constater juste là derrière moi, une foule immense venue très tôt ce matin, au parti de 8h, où on réservait un accueil chaleureux à leur président national, le rocheur Maurice Kamto, qui vient donc de tenir un discours ici sur place, discours justement qui a fait la part belle à la résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le professeur Maurice Kamto est revenu sur les propositions, 4 totales qu'il fait depuis le départ pour résoudre entièrement cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays. Il a également insisté sur la libération des prisonniers politiques et de l'organisation d'un dialogue inclusif mettant aux prises tous les Camerounais pour résoudre la crise dans cette grande région de notre pays. Également ici, une minute de silence a été observée à nos compatriotes qui sont décédés en Garbou dans la région du nord-ouest du Cameroun et également appelé ses militants, ses sympathisants à rester mobilisés et d'écouter les mots d'ordre qu'ils pourraient lancer à tout moment, peut-être pour des marches qu'ils pourraient lancer à travers le Cameroun. Il demande effectivement de rester mobilisés, de rester justement dans la paix et de ne pas organiser une quelconque manifestation sans autorisation directoire du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il insiste sur le changement dans la paix et en ce moment même, mais ces militants venus nombreux en masse ici même au quartier Deido de Douala commencent donc à quitter un tout petit peu les lieux et le service également de rappeler que ce moment a été encadré par nos forces de défense et de sécurité venues nombreuses, également des policiers, la gendarmerie également qui ont tenu à encadrer ces manifestations. Des badauds et bien d'autres sont venus percher sur les immeubles qu'on pouvait apercevoir pour assister à ce moment de rencontre entre le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses militants. Ici, le quartier Deido de Douala, au siège du MRC, Michael Tipkio et Emmanuel Bivirka, au Canada International.